Hey la famille, nouveau vlog, toujours en direct de la Thaïlande. On attaque dans le vif du sujet aujourd'hui, directement avec une séance de muscu. Et après on ira un peu se détendre. Pour commencer, toujours avec ma petite gourde masseuse. Bien sûr, la vidéo elle arrive, je vous l'avais tournée en fait, sur tout ce qu'il y avait dans mon sac de sport. Mais j'ai supprimé les rushs sans faire exprès, donc je la refais en rentrant. Fidèle au poste, petit holacoste. La civile prend quelques photos, donc on tape la pause. On les connaît, ils traînent des doses. Ils prennent la mâche, ils parlent sur nous, mais nous on fait du cash. Je me balade dans les rues de ma ville, comme un prince de la ville. On aime les filles faciles, mais ce qu'on préfère c'est l'argent facile. Une patate et tu vacilles, fallait rester assis. Le client m'a appelé aussi, j'ai dit. Et alors, si saoulé, on n'est pas bien. Ouh, la première séance chambre de la Thaïlande, c'est ça? Ah ouais, je sais pas ce qu'ils ont mis dans la bouffe, mais c'est dur les gens. Ah ouais? Oh putain, le mec il était en prière. Oh. Même ma femme a un Glock, chargeur longue autonomie. Vu qu'on n'est jamais acquitté, elle compte nos économies. Au CRB à la maison, et tombe sur la femme de ménage. J'ai même pris les jouets du môme, et je disparais dans le fantôme. Ils diront tout, j'ai perdu la raison. Pour ma mère, des rivières de diamants d'Anvers. Pour mon fils, la haute cour. They impersonate my impressions, nigga. Yeah, never feel pressure to impress a nigga. My time is precious, nigga. Get out of bounds, I'm waving arms in your face. That's how you full court press a nigga. Yeah, can't let you at this lecture, nigga. See if you live in that is only cause I let you, nigga. Unless you listen to the letters in my lessons, nigga. I lend a hand to make you. Pour mieux se débattre être sur un tas de fumier. Les voix du ghetto sont auto-tunées. Le pied au plancher dans tous les tunnels. Micro 9mm, on va te parfumer. Mon freestyle, c'est le gang des blues. On te fait chier toute la night comme les 4 nuits debout. Ressens le vent qui tourne, arrivé dans ton route. On fait des selfies avec vos radars d'autoroute. On se voyait par laser, on se voyait travailler. À obtenir la villa sous les palmiers. À faire serre en échec, on a paniqué. À écouter les autres, les rêves se calcinent. Le magnum sur la bleue, t'as va neutraliser. On a dit si l'imperson voit tout s'agripper. Enfant d'Afrique au top, c'était inespéré. Sortez les stamps, le moment immortalisé. Zéro mandat portant à l'adresse. Je reste au tiers car y'a trop de boucave à Marrakech, frérot. Tellement je les gagne, ils croient que je triche. Hop 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 hop, c'est des atta, il leur fait pas la bise, frérot. Rom pom pom pom, j'suis pas sur la piste. On est dans le vip, on prend des maths, tu mets j'suis sur liste, frérot. Bon, comme à notre habitude, après la salle, comme souvent, on est à refuel. Histoire de recharger quoi. C'est ça. Donc Sylvain il s'est pris un petit burger au poulet. Chicken burger. Voilà. Yeah. Avec des petits légumes. Poivrons, tomates, oignons frits, non? Pas pour, frit. Pour la recette? Non, confit. Moi je pense caramélisé. Ah caramélisé. Ouais, t'as raison, c'est ça. Ouais. Caramélisé, bread, onion. Ouais, non, mais ça c'est parce que moi, tu sais, j'ai quand même un pied dans la cuisine, quoi. Cyril Alex Lignac. Voilà. Pas Cyril Villani. C'est le moment gossip. Avec qui sort Cyril Lignac? Avec Sophie Marceau. Non. Mais Sophie Marceau, elle est pas avec non. Christophe Lambert? Et t'as people. On est à l'ancienne, hein, nous. Ça sent bon. Petite pâte au saumon. Voilà. Erratum, je dis bien Erratum. Fausse information, ils ne sont plus ensemble depuis le 6 janvier apparemment. Depuis le 6 janvier, fausse information encore, désolé. Voilà. Quand même ça fait de la peine, hein. Il a tenté de la reconquérir, elle l'a repoussée. Bon bah d'un coup il pleut des cordes dehors. Voilà. À tout moment en Thaïlande tu peux être pris par surprise. Ça te met une tarte derrière la tête. On l'avait senti quand même là aujourd'hui. Moi je suis sorti de la salle, j'ai dit je vais aller, parce que ma mère elle vient d'arriver en fait. Alors en Thaïlande, je suis sorti de la salle, je transpire. Ah alors on s'est... On s'est tapé le pied. Je suis sorti de la salle, j'ai dit je vais aller voir ma mère et en même temps ça va me faire sécher un peu le scooter. Je suis revenu 30 secondes après et j'étais trempé. Bon, on est trempé, on a repris la pluie, on a repris la tempête. Donc on s'est arrêté au centre commercial et vous pouvez voir qu'ici ça roule un petit peu en deux roues. Un petit peu, hein. C'est pas non plus abusé quoi. Bon bah voilà, on est au centre commercial. Trempé. Oh putain. Pour regarder le truc de massage, on dirait un hôpital. Oh. Et je pense que ça fait tout le tour. Hein. Regarde là-bas. T'as encore la rate. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Ouais, par contre, ceux qui mettent des lunettes de sport avec les verres qui changent de couleur et qui vont jusqu'ici la profiler et comment on appelle ça
Aérodynamique. Aérodynamique. Ne, je veux pas votre avis. Ok, gardez-le pour vous. Elles sont un petit peu trop grosses. Ouais. Regarde-moi le bypass. Enlève ta casquette, s'il te plaît. Un demi-ton sans peur. Ça fait un peu d'être. Je sais pas pourquoi. Un peu quoi? Un peu folle. Un peu folle. Non? Un peu. On dirait qu'il est comme ça, tu sais. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air interloqué. Pour Maître Gims. Oh putain. Oh putain. Ça va, hein? Oh, ça me choque pas. Non, ça fait trop genre. T'as eu le mec, il ride quoi. Ouais. Freestyle sur la vibe. Ouais, j'ai mis de la wax sur ma board. Chacun son style après. Putain, ouais. Le bordel. Oh. Je parlais de ce genre de lunettes. D'accord. Si vous aimez ce genre de lunettes, ne commentez pas. D'accord. Je ne vous critique pas. Je respecte mon choix. Tu peux les miens. Tu peux les garder pour aller faire du jet ski si tu veux avec celle-ci. Ouais, ça, celle-là, souvent, t'es mono quand t'as ça. T'es mono. T'es là, ou t'es maître nageur. Okay. Tu portes un slip avec un t-shirt un peu grand. On voit pas que t'as un slip. Et des claquettes arena qui font mal aux pieds. Et t'as un sifflet autour du cou et tu fais des pieds. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ça glisse le sol, hein. Gamin. Donc celui qui porte les lunettes avec les verres bleus, souvent il a une coque comme ça là, et qui se rabat devant. Et voilà, il y a des jours comme ça, malheureusement, le temps n'est pas avec nous. Jobouling, comme ça. Ah non, c'est ça, la pétanque. Bon, ce soir tout le monde est là, bien sûr vous avez Nassim, Tiffany et Yanis, Cappuccino, Sylvain et là PJ, Julie et il y a Manu, ma mère et Jasmine qui nous ont rejoints. Ils sont venus jusqu'en Thaïlande et là, donc là, donc il y a ma mère et Jasmine qui vont tester. Tu vas te faire manger par les poissons? Oui. Ouais? T'as oui. envie? Oui. Ah, ça fait des guilis, hein? Oui. Et Manu, toi, tu l'as déjà fait? En Ardèche. Il a dit, mais il a fait. C'était quoi l'arrêt? Dans une rivière, une vraie rivière normale. Je pense qu'ils viennent d'Ardèche, ceux-là. Attention, mais tu sais qu'ils font des. Ils peuvent faire beaucoup de guilis, hein? Et ça... Ça fait tout bizarre. Jasmine, ils viennent pas sur ses yeux, mesquina. Attends, vas-y, descends. On leur donne. Allez, voilà. Allez, va la mettre de l'autre côté. Bonne. Viens, Jasmine, tu vas aller voir. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, hein. Vas-y. Ils vont aller sur ses pieds, bizarre quand ils viennent sur toi. Moi c'était un truc de fou. Quand je l'ai fait à Bali, on voyait plus mes yep. C'est vrai. Ah ouais. Alors Sylvain, ça fait oui, ça. Bah écoute, ça manque un peu d'ambiance là pour l'instant. Ah, j'avoue. Hein, le duc, parle, duc, comme dit ici. Le si duc, duc. On a des trous sur la peau. Ambiance oppressante comme avalanche. Le sang ruisselant sur les phalanges. On se bat pour la vie, pas pour un grand destin. Et on la joue à chaque combat clandestin. J'ai rien à perdre, plus rien à prouver. J'ai plus de peine, j'en suis dépouillé. Il m'a laissé, je le retrouverai.
Comme j'ai souffert, elle va éprouver. T'as sûrement fait ta vie bien établie, bien épanouie. J'y pense toute la journée, j'en rêve la nuit. J'ai compté les années, les mois, les jours, les saisons. J'ai compté les minutes avant de perdre la raison. Ils m'ont passé sur mon ossature, musculature, multiple fracture. L'espérance fan mais la haine ça dure. Sur 10 années j'ai mis une rature. De questions sans réponse, le cerveau est matraqué. Trop temps perdu que je pourrais jamais rattraper. Douleur mentale bien plus grande que leur physique. Tiraillement amène des organisations psychiques. J'oublierai jamais même en 10 ans. Jamais. Au final j'ai perdu beaucoup plus que 10 ans. Je m'approcherai calmement en sympathisant. Je prépare ma toile, je pense à toi en la tissant. T'étais bien plus que mon ami. Je te considérais comme la famille. Enfer sur terre, qu'est-ce que le paradis? Après la tempête vient la calmie. T'étais bien plus que mon ami. Je te considérais comme la famille. Enfer sur terre, qu'est-ce que le paradis? Aujourd'hui y'a plus de famille. Je nous croyais soudés comme les doigts d'une main. C'était un leurre, j'ai plus rien d'humain. J'ai les yeux fermés, cherche plus mon chemin. Sur le froid des barreaux, je vois mes deux mains. Je pense à ma vengeance et je grelotte. Car elle sera glacée, oui elle sera glacée comme mes menottes. Je m'entraîne pour un jour un seul, je vis pour enlever la tienne. Je pense à toi dans le linceul, dans le cœur piment de Cayenne. La brume est presque en champ de vision. J'ai qu'un seul but, j'ai qu'une cible, j'ai qu'une mission. Pour tenir jusqu'ici, j'ai serré les dents. La vie n'a plus rien d'élégant, je suis nulle part dans mon élément. L'humidité, l'odeur de rouille de métaux. Autour de toi doucement se resserre les taux. Visage casqué, virage serré en moto. T'étais bien plus que mon poteau. T'étais bien plus que mon ami. Je te considérais comme la famille. Enfer sur terre, qu'est-ce que le paradis? Après la tempête vient la calmie. T'étais bien plus que mon ami. Je te considérais comme la famille. Enfer sur terre, qu'est-ce que le paradis? Aujourd'hui y'a plus de famille. Alors apprécie le récital. Moi je viens pas me livrer. J'rappe en dilettante. J'suis pas calibré, mais j'connais la détente. Italo-algérien, Italo-algérien. Les pieds dans l'eau, le regard aérien. Moi je viens pas me livrer. J'rappe en dilettante. J'suis pas calibré, mais j'connais la détente. Oui, c'est l'heure de manger. Tout de suite après la salle, bien sûr, parfait. On en a déjà parlé, mais moi je vous conseille d'aller manger si possible à peu près, bien sûr c'est pas, on n'est pas strict, mais à peu près dans la demi-heure après l'entraînement, histoire de profiter de la fenêtre métabolique, histoire d'absorber un maximum de nutriments et de stocker au minimum les graisses. Sylvain, qu'est-ce que t'en penses? S'il te plaît, ne me laisse pas tout seul, parce que là j'avais l'impression vraiment que derrière ça ne me calculait plus du tout. De toute façon j'ai super faim après l'entraînement, donc on va manger. Voilà, c'est juste à côté de la salle, on en a déjà parlé, on vous l'a montré, pas de placement de produit, hein, ils savent même pas qu'on fait des vidéos. Et donc c'est spécial repas pour la muscu, donc vous choisissez, on va
macro, les glucides, les protéines, les légumes, etc. Et en plus, c'est super bon. Donc voilà, ça se passe à Phuket, à côté de Maximum Fitness. Bon, moi j'ai pris exactement pareil qu'hier et c'était super bon. Petite pâte au saumon avec un petit dessert prot Gucci Cake Oreo, c'était de la frappe. Et sans oublier le smoothie aux légumes. Il est là, Mr. Gaël Jacob. Depuis Wolf, il nous lâche plus. Jusqu'en Thaïlande, il est venu comme ça. Quand même. Bah, il me semble que de base aussi. Et si vous voulez un gros gamos, ça se passe chez Paul Vie Auto Prestige. Ce matin, on s'est levé très très tôt, on vient d'arriver chez Toby pour faire de la motocross pendant 4 heures dans la jungle, aller voir le lever de soleil. Et regardez ce qu'il nous a préparé pour le petit déj. On est bien quoi. Il y a du riz, omelette, café. Bon, j'en bois pas d'habitude, mais aujourd'hui, il sera pas de refus. Oh putain, c'était tellement lourd. On en achète direct en rentrant, c'est sûr. C'est de la peu froid. Donc là, vous allez avoir des vidéos d'enduro au motocross. Dès qu'on a acheté ça. Allez, checker. Sur Chine Expedition. Ah ouais, la vidéo bien sûr. Je sais pas si elle est déjà sortie. Je crois qu'elle est pas sortie, mais c'est la prochaine qui sort sur AlexCPJ. C'est cette vidéo là. Oh ouais. Thank you, Toby. Thank you. No problem, good job, man. Bon, maintenant qu'on a transpiré toute notre vie, 25 litres d'eau, il y a la petite collation. Et après la moto, regardez-moi ça, il est immense. Aïe aïe enfin, aïe aïe enfin, aïe aïe enfin.